avec la loi de programmation militaire 2021-2025 qui a eu sa première phase de mise en application au cours de l'année 2021. Il s'agit de doter les forces armées du matériel de haute gamme. Voilà, des engins blindés. Des engins blindés. La reconnaissance et le combat. Pour répondre aux besoins sécuritaires de l'heure. Voilà, et on a des la menace multiforme, le terrorisme, l'extrémisme violent. Les AMEL, les scorpions. Les scorpions. Les bastions bombés. Cela ne dira peut-être certainement rien à bon nombre de téléspectateurs, mais voilà. Les connaisseurs savent. Peut-être pour les mystifier aussi. Pour mystifier un peu. Voilà, c'est du matériel qui défile donc sous nos yeux. Oui. Avec actuellement donc le passage des éléments motorisés du corps des. Non. Voilà, donc du. Le régiment blindé des reconnaissances et d'appui. Suivons à présent le passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Et c'est le lieutenant-colonel Balami Balakiem, qui est le chef de corps du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Et cette unité, Gerson, elle est organisée et entraînée en vue de conduire un combat offensif de jour comme de nuit sous la menace des armes, d'infanterie, des blindés ou d'artillerie, tout en assurant au personnel embarqué la capacité à durer sur le terrain. Absolument. Donc, passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Pendant ce temps dans les airs, il y a les aéronefs qui tournent. On aperçoit donc, on l'avait aperçu hein, tout à l'heure. Voilà, et aux commandes. Un char, une femme. Le lieutenant, colonel Balami Balakiem, non. Non, c'est pas. On vient de voir juste le personnel féminin. Oui. Après le passage du premier bataillon d'intervention rapide du premier BIR, nous suivons le passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Airbra, commandé par le lieutenant-colonel Balami Balakiem, maillon clé de l'ossature des forces armées togolaises. Elle délivre une importante puissance de feu parlant de cette unité et constitue une arme décisive dans la bataille. Comme son nom l'indique, ce régiment équipé d'engins blindés pour la reconnaissance et le combat. Les AMEL, les Scorpions, les Bastions, les Mavericks qui font la force de la diversité de l'arme blindée de la cavalerie. Avec également le transport des troupes, hein, à bord, donc de ces camions, Ben, camions de. Transport de troupes, de matériel également, flanqué derrière d'artillerie. Donc aux ordres du capitaine Panla Kokou du RCGP. Les canons d'artillerie participent à l'appui des unités en au contact et leur mission eh bien, c'est de fournir une contribution tactique feu à la manœuvre des unités. Et là on voit aussi hein, le passage de la composante appui lance-roquette. Avec à leur tête le capitaine Wakiyu Alaki du RCGP, toujours. Et toujours dans les airs, en autre le passage. Oui, la parade de la flotte aérienne. Donc les lance-roquettes sont composées donc, de BM-21 ou lance-roquettes multiples qui fournissent un appui-feu longue portée. Leur atout, eh bien, c'est l'apport d'une valeur ajoutée notable en zone urbaine et dans les espaces lacunaires
en quelques minutes, c'est-à-dire un effort de feu peut en effet être apporté sur plusieurs kilomètres sans mouvement du lanceur. Assez impressionnant. Gerson, tu es devenu un expert pour ce 27 avril. Ben, sous le contrôle du capitaine. Tout à fait. Vous le faites bien, monsieur. Si, vous le faites bien. Merci, mon capitaine. Vous le faites bien. Just past, we have the airborne taking part, particularly in this military parade. We have the helicopters who were piloted above our heads. Then with the parade of military equipment, armored cars, military jeeps, and peace goers, cargoes, taking part in the parade. We have the artillery, and we could recall the role of the Togolese armed forces in peacekeeping. We know that 24, we here have the National Fire Service, who is a unit with a special mission, social, with the population, taking care of accident and fire issues in the country, and especially in Lomé. Le passage des véhicules, des sapeurs-pompiers justement. Et à bord, ce sont des femmes et des hommes qui sont prêts à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Ils interviennent donc au profit des populations en détresse pour leur apporter secours et assistance. Et on l'a dit précédemment lors du passage des troupes à pied. La palette de leur intervention est extrêmement large. Vous voyez donc là le dispositif et le matériel du corps des sapeurs-pompiers. Oui, Yannick, on va en profiter pour faire un petit coucou à la diaspora qui nous suit sur la télévision togolaise et sur satellite via le canal 262. Coucou à nos frères, à nos compatriotes du Kenya, du Gabon, des États-Unis, de la France, du Ghana, d'un peu partout dans la diaspora qui nous suivent donc en ce moment. Nous pensons aux frères casque bleu togolais qui sont déployés à Douenza, Menaka, ceux qui sont à Kidal, ceux qui sont en Centrafrique, ceux qui sont au Darfour. Nous suivons actuellement le passage des moyens aux couleurs des Nations Unies. C'est les moyens du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, voilà. CEMP. Tout à fait. À Dido Gomé. Voilà, qui forme et qui s'occupe de la mise en condition opérationnelle Absolument. Des militaires avant leur déploiement. Nous les saluons partout où ils sont, au Mali actuellement, un peu partout, vous l'avez dit, mon capitaine, en Centrafrique. Partout où les forces armées togolaises sont déployées à l'extérieur en opération de maintien de la paix que nous vivons chez nous, que nous exportons auprès donc des autres peuples. Merci Gerson pour le soutien, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Et Gerson...